qui est très important. Nous manquons à travers les sommes d'un paquet de messages que le Créateur a toujours quitté pour nous. C'est peut-être ça que l'œil Emmanuel prend en charge pour lire toutes sommes, de somme 1 à somme 150. Je dis à nous parler pour somme 41 et 42. C'est Emmanuel qui va lire, qui va faire commentaire pour vous. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir, prophète Moshe. C'est encore un plaisir et après-midi pour que nous, ensemble, pour nous commenter somme avec nous. Nous allons commenter d'abord le somme 41. Et somme 41, comme nous avons dit matin, c'était le dernier somme dans une série. Dans la première partie, somme qui est 7 parties. Somme 41, c'est la fin de première partie somme. Donc, c'est le cantique, n'est-ce pas vrai, qui était écrit par le psalmiste et David. Et il était surtout adressé à chef Sambayo, qui eux-mêmes ont une responsabilité pour capable faire le peuple chanter et bien dans le temple et à Baya. Somme 41, il dit comme ça. À la bonne sabon, pour le monde qui prend cas pauvre, Seigneur va délivrer les l'entraille. Donc, il dit que c'est mon son Dieu qui miséricordieux à mon qui miséricordieux. Donc, mon qui fait bien, il fait bien avec tout. Mais mon qui fait mal tout, eh bien, ou mettant ma dition caprivé. Et c'est par sans raison que David, dans le premier verset somme 41, va dire que à bon sabon, pour le monde qui prend cas pauvre. Donc, vous prenez cas pauvre, vous prenez cas monde à fait pas bon, vous prenez cas vieillard, veuve, orphelin, eh bien, à Bayato, la prend cas. Lorsque vous en difficulté, lorsque vous en travail, lorsque vous en problème, eh bien, à Bayato, comme je me l'ai dit, il a intervenu pour au temps convenable. Et dans verset 2, il dit que le Seigneur va protéger, il ne va pas quitter le mourir, il va faire vivre à quel content sous la terre, il va plaguer dans le milieu de milieu pour faire ça ouvrir avec elle. Donc, David, lui, propose-nous que nous ayons intérêt pour nous faire bien avec tout le monde et spécialement le monde qui est en difficulté. Et l'on fait ça, on fait bien pour le monde, eh bien, Abaya beaucoup de parle, il prend note de ça et il a beau protection. Il va plutôt mourir. C'est pas que c'est vrai que nous tous nous gagnons pour mourir. Nous tous nous gagnons pour nous passer content sur terre, nous gagnons pour mourir. Mais Abaya a une protection spéciale que le barou ou pas qu'à mourir pour dire ou pas mourir comme ça. Et même les pour mourir. Pas oublier, c'est que David, c'était dans somme 6, je crois, tu es déjà, bon, ben, tu dis non. C'est que Abaya a la vie. Abaya a lu la vie en particulier. Non seulement Abaya a la vie, mais Abaya a lu la vie qui est longue. Et non seulement Abaya a lu la vie qui est longue, mais il a lu la vie qui n'est pas jamais finie. Ça que nous relier la vie éternelle là. Donc même là que nous mourir sous terre ça, mais nous connaissons la avec nous-mêmes le gène de la résurrection et que au grand matin, et bien nous pas pour nous réveiller. Et c'est ça toute espérance nous en tant que peuple de Abaya. Donc la fête vive à quelque temps sur la terre, parce que la terre, c'est là que Abaya va nous vivre. Et le peuple a dit nous, dans mes lèvres, nous, nous, plus tôt, pour faire ça, vous avec nous. Donc, parce que Abaya connaît que petit lieu qui a fait l'ennemi. Et notamment, comme il dit nous déjà, dans Genèse 3, verset 15, ok, pas besoin de gagner un mitaille entre nous-mêmes avec Edom, avec descendants et serpents. Parce que nous-mêmes, nous sommes des femmes, non. Comme j'aime bien amitié entre nous.
qui a toujours un ennemi entre nous et eux, et qui a toujours cherché pour attaquer nous. Mais nous connaissons que Abaya a toujours protégé nous une fois que nous restons attachés à lui-même et une fois que nous-mêmes, tout nous pas fait comme nous n'avons fait ça qui mal. Et nous avons fait cette fois-ci, c'est un bal force. Si on va bal force, les maladies font pour un carabone. Si on va bal guérison, les malades couchés. Donc, dès que ce monde qui a fait ça qui vient, même les malades, Abaya a intervenu pour une force, parce qu'on prend un carabone. Et l'autre malade couché, eh bien, Abaya a intervenu pour une guérison. Donc, de la sorte que nous n'avons pas besoin de peur. Rien lorsque nous avons fait bien parce que nous connaissons que en retour Abba a pas plagié nous il peut pas abandonner nous il a verset 4 là il dit moi-même moi te dit Seigneur qu'ai pitié pour moi guéris-moi parce que moi t'ai péché contre moi-même donc ça c'est David hein qui a fait témoignage lui qui dit que et Seigneur moi-même moi te dit te mande Seigneur pour Seigneur te gen pitié pour lui-même pour Seigneur te guérir parce que il était péché contre Abaya et nous connaît gros péché que David lui était fait notamment la question Bathsheba la question Uria et son péché que qui fait David mal en pile et David de plusieurs psaumes. Et dans psaume ça, psaume 41 verset 5 là que nous appelons avec vous, verset 4 notamment, mais également dans psaume 51 de côté que et David a fait état de péché ça qu'il était commet et toujours continue à demander à Abaya pardon pour lui-même et dans psaume dans verset 5 là il dit l'ennemi a parlé mal. Il a dit qu'il est la mourir, qu'il est oublié. Parce que le monde qui a mis David, mais tu as cherché mal pour lui. Tu as demandé qu'il est monsieur, ça va mourir. Il a demandé qu'il est oublié, qu'il est non à effacer sur la face de la terre. Et il nous dit non, c'est son rappel. Il nous dit que, pas oublié, David, c'est un antitype du peuple d'Israël. C'est que tout ce que David l'a plaigné de Vabaya, il ne pouvait pas parler. Mais c'est également l'histoire avec Israël là, parce que l'ennemi Israël est en pile, parce que Israël est pour quoi en tant que peuple, il n'a pas allié. Mais heureusement, allié que le gain, c'est Abaya. Or, nous avons Abaya comme allié, on ne peut pas faire rien. Or, l'autre peuple, il y a un grand nombre. Parce que pas oublier ces deux peuples qui viennent dans le monde là. C'est peuple Abaya qui c'est Israël, Genèse 3, verset 15, et l'autre peuple qui c'est peuple serpent, il y a un pile, et il y a Baïdraka. Eh bien, peuple ça, il est ennemi David, et tout en étant ennemi David, mais c'est également ennemi peuple Israël. Et c'est ça tout que nous venons dans psaume 43, verset 1 à 12, côté que peuple Israël, ils réunis ensemble pour connaître qui j'ai tout visite, peuple Israël. Ils réunis ensemble pour prendre des décisions pour que peuple Israël, ça, pour que personne ne connaisse qui ça le devenir, pour que personne ne connaisse le nom de Dieu encore sur terre. Pour que le peuple s'allie mourir, pour qu'il oublie. Et ce n'est pas sans raison. Le roi David pose une question, il dit l'ennemi a parlé le mal, il a dit qu'il est à mourir, qu'il est à oublier. Parce que l'ennemi, ennemi David, c'est l'ennemi peuple Israël, c'est l'ennemi pas nous, parce que nous c'est Israélites. Non pas Israélites par la foi, tant qu'on remplit le monde a dit, mais c'est Israélites de chair, comme nous te remarquons. C'est Israélite que vous prenez dans le bateau, vous la guerre sous territoire. Et c'est nous qui l'avons encore dit. Et oubliez-nous.
comme Israélite. Il y aurait les Haïtiens, mais ils connaissent bien quoi. Ils connaissent. Parce que c'est papa, le grand-papa qui était venu pour nous. Quand on était en Afrique, ils venaient là. Ils connaissent. Ils connaissent l'histoire du monde là. Ils connaissent mieux que nous parce qu'ils ont une grande université. Ils ont une grande bibliothèque. Ils ont toute bagaille la caillou, toute mémoire de la caillou. Bah, que nous n'avons pas la caillou. Et si nous connaissons, c'est la caillou qu'on a. Il veut cesser cela, dit non. Le monde qui vient nous remuer, c'est un bon hypocrite. C'est ramasser, il vient ramasser toute qualité de mauvaise nouvelle. Sorti, il faut me raconter tout partout. Exactement. Donc, là, nous, David a dit ça. Nous, capables de mettre en tête. Bon, c'est vrai, c'est la réalité. Parce que avant, nous ne connaissons pas cette histoire. Nous ne pensons que David a dit ça et puis c'est à faire pas la parler. Non. David n'a pas fait pas la parler, non. C'est vrai, en partie, c'est sa vie, mais globalement, c'est vie peuple Israël là, parce que le monde qui vient nous en tant qu'Israélite, là, au débat qui est là, on ne peut pas qu'être. Eh bien, si on peut être chrétien, nous ne sommes pas qu'être mal propre, nous ne sommes pas qu'être fait pas bon, nous ne sommes pas qu'être monde c'est là, etc. Et que nous avons un problème là, car nous ne pouvons pas solutionner, que c'est eux qui ont une solution, parce que nous traitons nous de monde qui est incapable. Mais est-ce que nous sommes monde qui est capable? Oui. Non, nous pas monde qui est capable, mais nous seulement nous sommes monde qui est tout pisi et que prend tout ça que nous possédons. Et puis après ça il dit que nous sommes monde qui est pauvre. Mais c'est tout à fait normal que nous sommes monde qui est pauvre parce que tout ça que nous avons gagné était prendre le volet. C'est ça qui est. C'est parce que c'est là qui ça dit non. Tout le monde qui parle le mieux met des têtes ensemble pour parler dans les oreilles sous moi. Yo comme fini. N'en prend remède pour moi. Il a fait un paquet de vieilles idées sur moi. Et c'est ça que là nous font retourner encore dans Somme 83, verset 1 à 12. On apprend que petit Edom, petit Bosra, et bien petit Aga, petit Ismaël, yo mettent ensemble. Yo comploté. Et c'est ça, oui, que David lui a dit que tout le monde qui parle de Romeo met des têtes sur ensemble. Et juste, je ne vois bien quoi. Ils mettent toujours des têtes sur ensemble. Pour comploter contre nous-mêmes. Et ils disent que nous n'avons pas de remède. Et que c'est eux qui ont remède là, c'est eux qui ont sauvé nous. Ils ne font pas de vieilles idées sur nous. Donc c'est répété. Il y a répété pour nous ça que grand-papa nous, David, c'est déjà dit nous, mais malheureusement, nous ne connaissons pas parce que nous pas autorisé nous pour nous lire la Bible. C'est l'autre jour là, nous mettons un petit bagage en créole pour nous, mais qui manque un paquet. Qui manque un paquet. C'est vrai qu'il rapproche nous un peu plus de ça, de parole, mais qui manque et tout. Qui n'a pas élément manquant là. Verset 8. Il a dit, nous sommes condamnés pour le coucher, nous avons pour élever pour lui encore. Ça a dit de David, là, ça a dit de nous. Nous condamnés. Côté là, nous, il y a dit que nous au bord de l'abîme, il n'y a pas les Français, nous au bord de l'abîme. Donc, son petit bourre de diable, il veut la gagner dans l'abîme, parce que pas de lever pour nous encore côté que nous y a. Donc, c'est ça que vous pensez. Et c'est ça que vous dites. C'est ça qui est dans la tête, c'est ça qui est dans le cœur. C'est de ça que vous dites. Donc, nous changeons là quelques temps de ça, et puis. Et on blanc, on pays qui était coopérant. Et puis, je me dis, magistrat, la croix, Haïti, son pays ou pas qu'on est, non, et pas qu'il va pour toucher. Au moins, ça, il va pour ça. Au moins, là, il va pour ça. Au moins, là, il va pour ça. Donc, et on est venu comme coopérant, soi-disant, pour sauver Haïti. Mais, il dit, Haïti, malade, dans toute colle. Il n'y a pas de qui va pour manger. Et c'est ça que verset 8 là, il dit nous. Il a dit, monsieur condamné, côté le coucher, il a pas voulu rouler encore. Et verset 9, à ta pibonzan, mime là, moun mette fait confiance en pile là, moun qui te mange, moun qui te mange, nan même plat avec là, à ta li même li trahim. Donc, regarde, moun qui dit que vous en, nous connaît que Israël, il y a moun qui dit que vous en, Yo formé association même, yo dit que association des amis Haïti yo.
nous faire confiance. Il a mangé pain nous. Il a mangé un machin avec nous. Mais c'est lui encore, oui, qui trahit nous. Et c'est ça que David lui-même lui dit dans le verset 9 là. Peut-être que il a trahi David personnellement. Oui, mais globalement, David, comme nous dit, il a laissé un petit type de ce qu'a passé Israël. Eh bien, c'est Israël qui a trompé. Et c'est nous donc qui a trompé. En tant que soi-disant amis, nous-mêmes, en tant que descendants d'Israël selon la chair, et que c'est chaque jour, ça a confirmé, et maintenant encore, dans l'intervention que frère Lucien fait avec nous, a montré nous carte géographique, qui côté d'aller prendre, qui est-ce 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 c'est Judas qui a le grand qui est venu la guerre là sous bout de ça qui a retiré en Guinée venu la guerre là c'est nous mêmes verset 10 mais ou même Seigneur gain pitié pour moi mettez-moi sous deux pieds encore m'ka bay ou ça au mérité physiquement David te senti le pas bon il pas capable il pas capable. Il demandait à Baya, remettez le soupir encore. Pour que Baya, ça a mérité. Mais ça, encore, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Le roi lit Joël 3. C'est exactement ça que Joël 3. C'est que Abaya pour rassembler le peuple. Abaya pour mettre le peuple sous deux pieds encore. Et Abaya pour mettre que la baye ennemi peuple ya ça yo mérité. Donc c'est vrai que li semblait apparemment à un problème que David te gagne dans période par là, mais tout ceci fait partie tout d'une grande chaîne prophétique de ça qui gagne pour réaliser dans monde là et yo gagne pour yo wè. Et nous connaît que parole la baye yo yo pas jamais rité sans effet. Parole la baye yo accompli en pile déjà. Et il y a l'autre encore qui pourra accomplir. Même si nous avons vivre nos situations, côté que nous va devant, nous va derrière, mais nous connaissons que Abaya, pour le remettre le peuple encore sous deux pieds. Il est ça, comme il dit dans Joël chapitre 3, c'est que nous qui te prend nous, qui te vend nous, eh bien, nous même tout, nous va van yoto moun sa yo ki t'a fait nous passer toute qualité misère et bien yo même tout il devait passer misère pa yoto c'est pas et Abaya li connaît comment que l'a fait ça parce que il gagne un plan pour nous et il gagne un plan pour yoto là pa nous c'est un plan de restauration mais nous connaît tout que plan pa yo c'est plan pour subir même ça et même pire que ça qui a été fait nous subir c'est va intervention Abaya directement qui va régler causer la veille même que Abaya te régler causer la veille nous parce que nous t'ai violé commandement Abaya et c'est violation Torah violation à l'Éternel violation sabbat violation fête d'Éternel yo c'est yo qui conduit nous dans ça que nous t'ai qu'est-ce que nous y aujourd'hui là qui fait que il y a passé nous en bas bêtise, il y a pas le normal. Mais nous connaissons que bonjour qu'a venu, côté que Abaya va délivrer nous. Et dans verset 11 dit Marc on est ou content avec vrai si moi l'ennemi mio pas bambouche sous dom encore. Oui. Donc il y a que verset ça dit exactement ou reconduit nous encore à Joël chapitre 3. N'a connait ou content avec moi si moi l'ennemi yo ban pas bambocher sous dom parce que nous connait que au moment qu'a prouvé l'ennemi yo pas gagne pour bambocher sous dom encore y a sauté à prouvé à matin mais pas venu pour bambocher sous dom encore et que misère comme t'a passé yo et bien l'Éternel Abaya va connait comment qu'il va gérer ça avec verset 12 oui
ou soutenir parce que moi pas fait rien qui mal. Ou faire me camper là devant vous pour tout temps. Abaya a soutenu le peuple et il a continué à soutenir même dans le désespoir, même dans la désolation que nous y est, même dans la dispersion gens que nous y a là. Abaya pas la gêne, il pas abandonné. Sinon nous tout a mouru déjà. Sinon nous tout a mouru déjà. Mais il y a un plan de restauration pour nous. Il y a un plan pour que les retirer nous dans ça que nous y a là. Il y a un plan pour le faire nous camper encore. Et c'est peut-être ça. David conclut avec Psaume 41 verset 13 dit on fait loin ici bon Dieu peuple Israël là. On fait loin pour tout temps. Amen, c'est vrai. On fait louange, peuple Israël. On fait louange pour Seigneur Abaya. Bon Dieu, peuple Israël là. Mais c'est très important. Bon Dieu, c'est bon Dieu qui laisse. C'est bon Dieu, peuple Israël là. Il va bon Dieu le peuple. Parce que l'autre peuple est bon Dieu par yo. Et yo connaît ça. Et yo d'accord avec ça. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Ils vivent avec l'autre bon Dieu par yo. Mais nous-mêmes, nous c'est petit bon Dieu, qui c'est bon Dieu. Abraham, Isaac, et Jacob là, on fait louange pour lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Et maintenant, après, Psaume 42. Psaume 42, lui-même, il fait partie de deuxième livre Psaume. Il fait partie de deuxième livre Cantique. Et à partir de Psaume 42, nous parlons en série de l'autre cantique qui en premier lieu, des cantiques écrits par Petit Coréo, et Martin nous défendra aller sur Petit Coréo. Et nous avons également d'autres psaumes un peu plus tard qui sont écrits par David, mais qui sont également eh bien, des cantiques. Premier, d'abord, il dit que c'est pour chaque symbole. Donc, c'est Petit Coréo qui écrit, psaume ça, et il va adresser à chef symbole parce que c'est un cantique lié, c'est un chanté. Que chef Sambayo gagne pour chanter avec peuple Israël là dans ton plan. Il dit même j'ai un bête envie boire de l'eau la rivière. C'est comme ça moi envie ouais bon Dieu. Donc c'est comme ça chant commencer. Donc son chant côté que petite courrier rivière c'est comme ça tout soif lui capable ouais bon Dieu Abaya. Verset 2. C'est parti en vie. Nous pas en vie, ouais, bon Dieu Abaya. Bon Dieu qui est vivant, qui l'aime va aller pour m'adorer, bon Dieu, la Kaili. La journée qu'on la nuit m'a prié. C'est de l'eau qui sortit dans le gym, qui servit à manger. C'est tout le temps, mon apprendre, côté bon Dieu là. C'est un cantique qui probablement écrit dans un moment côté que peuple a pas à Jérusalem un moment côté que peuple a était en dehors de espace naturel li parce que bon Dieu gagne un côté pour que li ka rencontrer avec peuple ya et c'est pas sans raison l'ol verset 2 après que li dit que c'est parti en vie moi en vie ouais bon Dieu qui vivant qui l'a m'a aller pour m'adorer bon Dieu la Kaili parce que bon Dieu gagne Kaili et Kaili bon Dieu c'est Jérusalem qu'elle est c'est là qu'elle gagne temple mais malheureusement peuple là il est pas là et c'est pour ça qui fait que ça nous donne de la prier la journée qu'on la nuit bleu pas suspend sorti dans gile et c'est ça qui sert nous toujours nuit. Et texte, lui rappelez-nous un autre texte, c'est le psaume 137. Psaume 137, c'est un autre psaume encore, côté que nous avons crié, pour ça a crié,
parce que yo sur les rives de Babylone, yo bois rive Babylone là. Et puis y a changé Sion, même genre ouais, les fils de Corée a changé Sion là. Et y a demandé bon Dieu qu'il ait la calibre pour adorer, parce que Sion c'est là que bon Dieu a bâillé un devoir peuple. Et puis alors que yo sur les rives de Babylone, bon rive Babylone, et puis oppresseur yo a demandé pour chanter un cantique de Abaya. Et après, mais comment se fait-il pour ta chanter cantique Abaya sur un terrain étranger? Ce n'est pas possible, non, pas un bail comme ça. Parce que cantique Abaya, vous voyez le côté pour chanter, c'est dans le temple où vous pouvez chanter. Et là, fils de Corée, il a posé la même question qu'il est allé à la caille bon Dieu pour être capable d'aller adorer. Donc c'est toujours avec un cri déchirant du cœur. Là, il a constaté que il n'y a pas Jérusalem. Il a constaté que il n'y a pas à Sion. Il n'y a pas qu'à respecter le rendez-vous. Ça, yo, parce que il y a des moments. Le peuple a quitté le caillou tout partout pour rentrer à Jérusalem. Jérusalem, c'est un lieu de grande rencontre pour le peuple abaya. Pour venir chanter, pour venir louer, pour venir offrir sacrifice d'action de grâce. Dans toute occasion, fait yo. Mais malheureusement, pas de moyen pour ça. Il veut ces quatre là, dit nous. Que ma femme l'aime songer, bagaille tant longtemps. Il va retourner, pour elle faire fête. Il va retourner, pour elle chanter. Il va retourner, pour elle dire bon Dieu merci. Parce que, il n'y a pas la caillou. Il est dans la diaspora. Verset 5. Moi, je parle à tête, moi. Moi, je dis, pour qui ça me cadre comme ça? Pour qui ça m'a plaidé plein comme ça dans le monde? Je mets espoir dans le bon Dieu parce que je gagne pour me faire louange lui encore. C'est lui qui a délivré, c'est lui qui bon Dieu moi. Peuple Abaya a besoin de besoin de délivrance. Peuple Abaya a besoin de tourner la caille. Et là, le noir, il lit ça. C'est même, c'est pas si peuple haïtien. Oui. Mais je dis, haïtien me tourner. La caillou. Yo bloqué. Yo pa ka tourner. Pays a gagné sécurité. Bien qui pa ka déplacer parce que yo bon TPS. Ou bien yo pa gagné résidence, yo pa gagné moyen pour yo déplacer. Même c'est vrai que peut-être dans pays côté que y a des difficultés que pa connaît et cetera. Mais la caillou, c'est la caillou. Et même en vie que le peuple d'Israël a gagné, pour te retourner, pour te poser, pour te retourner à Jérusalem, non. C'est même en vie ça, oui, que tout a été vu de la diaspora. Il a envie de tourner la caille. Nous sommes ceux qui ont envie de faire jardin la caille. Et c'est même situation. C'est peut-être un peu fois, on l'a plus texte. Et puis nous pensons que ça concerne Israël d'autres fois. Et que nous ne connaissons pas que ça te concerne nous parce que nous ne connaissons pas si c'est descendant d'Israël que nous disons. Mais le regard est dans les faits, dans les gens que nous vivons, dans les gens que nous fonctionnons, quel que soit à côté que nous y pas un lien qui est différent. Entre ça, les fils de Corée, ils disent dans ça, et avec vie par nous en réalité. Et verset 6 dit oui, mon cagou. C'est pour être ça. Côté Mia, bon la rivière Jourdain, sous mon et mon, ou sinon sous mon misa, tout en l'idée m'sou. Écoutez bien, c'est même ça qui est passé, peuple là, oui, dans ce 137 là, sous bord, fleuve, rivière Babylone. Moun sa yo, yo pas de bon rivière Babylone, mais yo te bon rivière Jourdain, yo te sous mon et mon, ou bien yo te sous mon misa, et puis mais. Mais l'idée, c'est Jérusalem, l'idée. Même avec nous, qui vivons dans un pays étranger. Nous, notre travail dans un pays étranger. Nous, qui sommes dans un pays étranger. Petit nous. Mais l'idée, nous, toujours sur Haïti. Parce que Haïti, c'est là nous faisons. C'était maman, nous. C'était papa, nous. Jérusalem, pas nous. C'est Haïti lié. Même le que nous connaissons, que je dis, chaque jour, nous n'avons pas plus pour nous connaître que vrai Jérusalem, nan,
c'est ça qui est en Palestine là. Et c'est là que Abaya a gagné pour capable rassembler nous. Mais en attendant, nous toujours songer la caille nous, même genre avec équipe et que l'avait étudié là, les fils de Corée, qui écrit environ 13 ou 14 psaumes dans le deuxième livre de psaumes. Il fait ces 7, il dit nous, il y a un homme qui a été égalé, l'autre homme qui a été égalé, les gros la pluie a tombé. Tout courant de l'eau, à tout l'homme qui a été égalé, a passé sur moi. Donc, ça c'est la difficulté que le fils de Corée éprouvait. Lorsque il a fait image, l'homme qui a parlé en l'autre, la pluie a pris gros la pluie tombée, eh bien, il a estimé que tout courant de l'eau, ça a eu, c'est sous l'eau qui a passé. Et il n'a pas fait rien pour retirer la tête, donc dans sa théorie. Verset 8. La journée, Seigneur a fait ma plus faveur. La nuit, moi chanté, je chante pour lui. Moi la prière, bon Dieu, qui toute la vie moi. Donc, moi, il faut que nous, là, nous finissons ce service-là. Allez lire Psaume 137. Et après, c'est à peu près, c'est même planète, c'est même situation, c'est même douleur, et bien, qui a traversé le peuple bon Dieu, le peuple Israël, là, quel que soit le côté que lui passé. Et dans verset 9, moi, dis bon Dieu qui trouve roche, côté pour me cacher, là. Je dis, bon Dieu, qui tout roche côté pour me cacher. Pourquoi ça oublie comme ça? Pourquoi ça pour ma vivre à toute la peine ça dans laquelle l'ennemi a crasé en bas pied? Donc, bon Dieu, c'est tout roche nous. Bon Dieu, c'est tout roche peuple Israël là. Bon Dieu, c'est tout roche côté pour peuple à cacher. Bon Dieu, c'est tout roche côté pour moi-même, pour me cacher. C'est là pour moi-même pour cacher. Et la question que petite cour a posé, il a demandé à Abaya. Pour qui ça oublie moi comme ça? Pour qui ça? Pour qui ça m'a vivre à toute la peine ça dans laquelle? L'ennemi a crassé en papier. Et c'est même question ça, on a posé tout nous-mêmes. Et là, on lit la presse en Haïti. Là, tu as télévision, presse en ligne. On entend des leaders politiques qui ont parlé. Eh bien, même cri ça, que petit courrier a poussé, c'est même cri ça, il a poussé. C'est tout journée haïtien que mon ali a servi à Baya ou non. La demande de mais qui l'a venu délivrer nous? Qui l'a venu retirer nous même le bon ennemi ça yo qui a crasé nous en bas pied yo? C'est son réalité de tous les jours. C'est vécu nous, c'est de ça que nous vivons. De plaintes, de sentiments qui a traversé nous aujourd'hui encore, même nous avons traversé le fils de Corée. Et là, on prend David dans tout premier 41 chant. Mais c'est la même question qu'on va poser. Qu'il est Abaya à venir délivrer nous en bas, nous ne savons pas craser nous. Verset 10. Moi, je sens toute zone comme a fait mal. Le monde qui a persécuté nous a joué. Là, tout le monde a demandé de côté bonjour là. Oui. Il a passé une bêtise. Il a rien dans son nom. Il a fait signe sur nom. Il a dit bon, nous dit nous c'est pas bon Dieu, beaucoup de bon Dieu nous. Côté-le. Farewell. C'est pas qui grave. Il est rentré dans sentiment nous. Il est vexé nous. Il manque nos dégâts. Il a demandé nous. Coup de bonjour là. Et vous avez raison de côté bonjour là. Parce que c'est vous qui parlez de l'histoire. C'est vous qui parlez de côté sorti. Parce que dans l'histoire d'Haïti, c'est l'école où tu as étudié l'autre petit monde. Vous avez dit que c'est en Afrique ou surtout c'est africain. C'est ça vous avez dit. Mais vous n'avez pas dit si c'est israélite côté. C'est quand il y a un jour commencé à caler. Vous commencez à comprendre que ce n'est pas africain qui est. C'est. Israélite que vous êtes, ou c'est le monde qui sort dans le pays Juda, ou c'est le monde qui se lévite, ou c'est le monde qui se Benjamin,
C'est qu'on y a ou vina va prendre ça. Mais pas de monde qui t'a besoin de bagay comme ça. C'est le bagay nous connaît. Comme le dit dans Daniel 4 verset, Daniel 10 verset 4. Au fur et à mesure que jour a passé, que temps a passé, la connaissance a augmenté. Et ça, c'est ça qui fait que nous commençons à connaître et à chercher pour nous connaître plus chaque jour. Et pour nous partager connaissance, pour nous faire le monde connaître qui est-ce que nous sommes. Et verset 11, qui c'est le dernier verset, qui c'est le dernier verset que, qui est dans Somme 42, il dit oui. Pourquoi ça me cagou comme ça? Pourquoi ça m'a plein comme ça dans lequel moi? Je mets espoir dans bon Dieu Abaya parce que moi, je fais louange lui encore. C'est lui qui a délivré. C'est lui qui est bon Dieu moi. Frères, nous connaissons que délivrance n'est pas loin. Délivrance, c'est dans Abaya qu'il dit. Et lui promet nous déjà que l'a délivré. Joël, toi, donne-nous tout détail sur comment ça va le passer. Nous pas besoin de rien. Même plainte que petite Corée y a porté, c'est même plainte ça que n'a porté dans que nous. Mais seul bagage que nous connaît. Nous c'est petite Abaya et Abaya a intervenu tant convenable, il a délivré nous. Seul bagage. Soyez confiants. Continuez à la foi. Continuez à étudier. Continuez à chercher et également continuez partager connaissance ça que nous apprenons pas qu'un bio dans que nous bayo à tout le monde qui tout près nous bayo à monde qui loin de nous-mêmes et ainsi autant de d'israélites va capable réveiller même gens avec nous et au jour marqué lorsque le temps va accompli, Abba lui-même va réunir nous à Jérusalem. Laisse ça, le bon Dieu nous tout bon, et Napoël face à face. Et laisse ça lui-même la voir qu'on est. Qui ça l'a fait avec ennemi nous? Alléluia, alléluia, alléluia.